à tout le monde. T'as vu, je dis bonjour. Ouais, c'est bien. C'est bien. Je te félicite. Alors, on est où? Alors, on est chez Chopin, en fait. Il nous a invité à boire une chopine, donc on est venu. Par contre, on était un peu surpris, il n'est pas là. On le cherche partout dans le parc. Il n'est pas là. Alors, on m'a annoncé qu'il y a eu un problème, en fait. Il est mort depuis assez longtemps. Et nous, on n'était pas au courant. Je sais pas de quand date l'invitation pour la bière, mais... Je crois que c'était pas dans cette vie. C'était pas dans cette vie, voilà. Donc c'est un parc magnifique, comme vous avez pu le voir sur les images. Il y a une ambiance exceptionnelle entre les grenouilles, les oiseaux et la musique de Chopin, qu'on peut pas faire écouter, je pense. Et nous? Non, je pense pas. Non, parce qu'autour des maisons de Chopin, il y a... Il y a de la musique, en fait. Il y a ses compositions qui passent. C'est super sympa. C'est vraiment très apaisant. Il y a vraiment C'est magique. Un espace particulier, une ambiance particulière dans ce parc. Voilà. Et en plus, le temps est très particulier aussi parce qu'il pleut, il y a du soleil, il fait chaud, il fait froid, c'est trop... En deux secondes, le temps, il change, mais radicalement, On se paraît dans le pays du tropique. Ouais, c'est vraiment... là, il doit faire, 22, 23, là, facile. Hier, il faisait 26. Alors là, il est tombé un peu de pluie, donc je pense que ça a un peu rafraîchi. Bon, alors de quoi on voulait parler, Chatounette? On voulait parler de... De ton projet? De mon projet, de vie en camping-car, donc c'est qui devient de plus en plus, désirable. Désirable, oui, parce qu'elle a de plus en plus envie. Et donc on voulait soulever la question des deux camping-cars, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui nous rejoignent depuis peu de temps, donc ils ne savent pas, d'ailleurs je mettrai peut-être un lien dans la description, mais je mettrai un lien, que vous pourrez trouver ici, où on vous expliquera un peu notre projet du début, pour les nouveaux arrivants, parce qu'on a beaucoup d'abonnés qui arrivent un peu tous les jours, et qui n'ont peut-être pas forcément le courage de remonter toutes les vidéos. Et qui se posent encore des questions, pourquoi on veut de camping-car. C'est vrai que par rapport à quand on bouge, quand on voyage un peu, c'est difficile de se décider si là... On devait se dire où on veut habiter, c'est assez difficile. Personnellement, je voudrais être un peu partout. J'aimerais être en Pologne, j'aimerais être un peu au soleil, dans les pays où il y a du soleil, parce que c'est vrai que... D'un autre côté, sans vouloir te couper, tu disais la dernière fois quand on est arrivé ici, je ne me verrais pas habiter ici à l'année, en fait. Tu ne te verrais pas habiter ici toujours. Toute l'année, non, parce qu'en hiver, c'est vrai que c'est très gris, c'est assez triste, sauf si on boit de la vodka. on voit plus rien, donc on peut être un peu n'importe où, en fait, quand on boit de la vodka. Mais c'est vrai que c'est un peu tristouné comme l'ambiance globale. C'est bien quand on y vient comme nous, en fait, où par exemple, on est dans un magnifique parc, on fait beaucoup de choses, on va un petit peu dans les petits restos qui coûtent vraiment pas très cher, et là c'est vrai qu'on profite. Mais si on devait y être toute l'année, est-ce qu'on profiterait comme ça? Par exemple, nous hier on était au restaurant là, au Spularnia. C'est bien. Et on était les derniers, quoi. Et il était 8h30. Voilà, tout le monde était rentré. Donc c'est vrai que si on cherche un peu des lieux d'ambiance, où on veut un peu voir des gens, du monde, les gens vivent un peu une vie différente de la nôtre, en fait. Même à Annemasse, à côté de Genève, il y a tout le temps du monde dans les restaurants, jusqu'à 10-11 heures facile. C'est ça, c'est que dans chaque endroit, il y a quelque chose qui nous plaît. Quelque chose que... C'est juste ça. Ah, ça va. Quelque chose qui est chouette. Alors on aimerait bien tout ramener et créer quelque chose, de prendre partout et créer quelque chose de parfait, mais ça c'est impossible. Alors c'est vrai que vivre en camping-car, pourquoi ça me parle de plus en plus, c'est que de rester tout le temps au même endroit, je m'ennuie. J'ai remarqué ça depuis très très longtemps, que c'est vrai que rester ça m'ennuie. Alors... Et pourquoi deux camping-cars, alors? Parce que Pascal, c'est pas possible, il est insupportable à long terme, c'est pas... Il n'arrête pas de parler fort, il m'écoute pas écouter, il ne me laisse pas écouter des jolies chansons, il chante en même temps pour m'embêter. Alors ça c'est ex aequo. Ça c'est pas vrai. Hier, on entend une chanson dans la voiture. Mais c'était je une me chanson commence à polonaise. Chanter et comme je chante super bien. C'était une chanson polonaise. Ah non, là c'est autre chose. Avant ça, il y avait une chanson et toi tu m'as dit arrête de chanter. Donc au moment où elle a sorti sa chanson polonaise, j'ai pas pu résister. Parce que quand une chanson chouette qui passe, tu nous gâches la chanson.
Et toi, tu pies ailleurs à côté. Bon, alors ça, c'est une raison. Bon, voilà, il y a cette raison-là. Il y a une raison aussi, c'est que moi, je veux pas non plus qu'on ait le même camping-car parce qu'elle pue les pieds. Alors ça, bon, ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Non, parce qu'on a déjà dit dans une vidéo, parce que moi, j'ai deux chats, et puis il n'y a pas assez d'espace dans un camping-car. C'est petit, en fait. C'est vrai que même si c'est grand, c'est petit. Et d'être tout le temps l'un sur l'autre, on a besoin, je pense, de ce... Alors, on voit dans certaines chaînes des gens qui s'isolent. Qui s'isolent dans la capucine, il y en a un autre qui est au fond, bon, c'est pas vraiment comme ça qu'on arrive à se retrouver, et puis nous, on a quand même derrière nous des vies de couple où on s'est rendu compte que la solution, elle n'était pas d'être tout le temps ensemble. Et puis il y a la fatigue de la vie, je pense aussi, et tout l'ensemble, de plus en plus de couples, je vois même qui sont longtemps ensemble, qui construisent des maisons et qui sont chacun à leur espace, leur pièce. Il y en a de plus en plus. Ouais. Alors du coup, vivre dans un seul camping-car, pour moi, c'est inimaginable. Peut-être quand on est jeune, peut-être c'est différent. En plus, ceux qui ont des enfants, 1, 2, 3... On a besoin en fait de solitude, on a besoin d'un peu de solitude, voilà. Et un peu beaucoup, je dirais que c'est même presque la moitié du temps où on a besoin d'être tranquillement seul, je pense. Voilà. Alors nous, on a contact tous les jours, et même quelquefois, on n'est pas ensemble, mais on se téléphone et on peut rester une heure et demie au téléphone, hein, ça arrive régulièrement. Mais, Mais de là à partager le même espace pendant plusieurs mois, là, je pense que ce serait compliqué. De vivre dans un espace confiné, après, ça devient plus le plaisir, je pense que ça devient vite. Donc, récemment, tu as regardé, tu as revisionné une vidéo que vous retrouverez ici aussi. Une vidéo, d'ailleurs, c'est pas là. Ah si, c'est là. Ça va être là quand je vais montrer. Ça va être ici, quelque part, là. Il va y avoir le lien. Donc, vous reverrez la vidéo où on avait justement visité les camping-cars et où elle avait flashé sur, c'était quoi ? Euramobile ? Euramobile. Un Euramobile où il y avait deux lits séparés. Salle de bain tout au fond, voilà. Et beaucoup de rangements. Alors prochainement, on va essayer d'aller voir quelques concessionnaires en fait. Hein, comme ça, on se remettra un peu dans le bain de la recherche. Et puis voilà. Et puis comme ça, on vous montrera un petit peu l'idée, quoi. Hein? Ouais. Mais ça n'empêche pas que voilà, je voudrais bien quand même avoir un point fixe où on puisse revenir au cas où si on en a marre. T'as mal au bras, hein? Non, ça va. Et moi, mon idée donc d'avenir, en fait, c'est de prendre plus gros. Pas tout de suite. Hein. Là, je me relance dans le camion et justement, ça m'a donné envie de je me suis visionné dans quelque chose de plus gros, en fait. Voilà. Donc, dans un avenir plus ou moins lointain, je pense que je changerai le Francia pour quelque chose d'un peu plus imposant. Alors, j'irai pas jusqu'au bus, mais je pense qu'un camion... j'ai vu certains camions qui pourraient me plaire et je pense que j'essaierai de trouver un truc comme ça. Comme ça, on aurait un espace beaucoup plus grand et on aurait son petit camping-car derrière, ou camping-car modeste en fait, un peu plus réduit en espace, ce qui permettrait d'être un peu plus mobile quand on a besoin. Quoi. Mais pas trop longtemps, quelques jours seulement. Voilà. Bon, c'est tout. C'est tout, c'était juste, c'est juste pour faire voilà, par rapport à ça, pour dire surtout, pour vous rappeler qu'on n'a pas abandonné notre projet et que le projet d'avoir deux camping-cars, c'est toujours d'actualité. Le truc, c'est que la vie nous a joué quelques tours, hein, et quelquefois des tours pour lesquels on a du mal à trouver des solutions. C'est des solutions qui sont lointaines et qui existent, mais qui sont un petit peu difficiles à atteindre. Et donc, ces solutions, on les a toujours en tête, on a toujours notre point de notre objectif, et notre objectif, on va l'atteindre. Hein? Voilà. Yes, we can. Tu voulais dire quelque chose? Non, sur notre présence en Pologne, non, t'as rien à dire? Sur notre présence, non. Non? T'es contente? Juste très surprise par le temps, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui se passe. La Pologne, ça devient un pays tropical, mais c'est impressionnant. Voilà. Un short et des tongs, ce serait tout à fait approprié, en fait, hein, ouais. Là, aujourd'hui. Alors bon, vous allez me dire, on est au mois de mai, on est presque fin mai. Ce serait presque normal chez nous, déjà, d'être en short et en tongs. C'est la lourdeur de l'air. De l'air, ouais, c'est tropical, c'est vrai, c'est moite, c'est,
C'est chaud. D'ailleurs, je sens, je suis humide. Hein. Alors ? Alors, on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt. Et puis, bien, bientôt de retour. La prochaine fois, ce sera en France. Voilà. On vous embrasse très fort et on vous souhaite belle soirée, belle bonne soirée, journée. Bonne journée, bon week-end, bonne semaine, bonne tout. Au revoir. Ciao. Pas de bout tes explications. Tu vas demander. Elle m'a pas démonté. Tu demandes, tu dis je veux banane. C'est des glaces offertes. On regarde pas dans les dents d'un cheval offert. Le pleu c'est triste. Ouais. Le pleu c'est triste. Non, quand il pleut c'est triste. T'as dit le pleu c'est triste. Non, il pleut c'est triste. On va écouter, je t'ai dit le pleu c'est triste. Il pleut, cette. Elle n'est pas droguée, hein, elle est naturelle, quoi. C'est ça qui est formidable. Là, on est dans des chemins de campagne. Les GPS, c'est génial. Là, c'est Google Maps, hein. Et alors là, on est carrément dans un chemin en caillou, en fait. En terre. Ce qu'on pourrait appeler un chemin de traverse ici en France pour desservir les champs. Ben là, on est là-dedans, nous. Voilà, ben, je vous quitte parce que là, maintenant, on est en stress. Eva, elle en peut plus. On est vraiment, on se demande si on va se sortir vivant de cette aventure. Si toutefois on ne revient pas, si jamais on fait pas la vidéo, ça veut dire, si vous voyez cette vidéo, ça veut dire qu'on est encore en vie. Voilà. Vive la Pologne. Il y a aussi les mauvais côtés, hein. Il y a les chemins en terre. Voilà. Ah bah même en France, ton GPS, il nous mène souvent dans les endroits. Ouais. Alors là, tu vas, c'est bien parce qu'on va faire un tour complet. Tu vas prendre à droite là, dans le chemin en terre, dans l'autre chemin en terre. Allez, à plus tard. Parce que là on stresse, on est tout fou. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi en fait? Tu veux manger ta vie? Ah, je veux l'apéro. Tu veux manger? Tu veux l'apéro. On va demander les olives. C'est où la caméra? La caméra, c'est là. C'est où tu regardes en fait. On est pas là, elle est pas là-bas, hein. Elle est là. En fait, c'est Francis Lalanne qui dit ça. Elle est où la caméra? Il disait. Donc. Des olives. Et c'est tout? Champagne. 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 La vache. Ça, ça fait plaisir. Bah oui.